Non mais il sait que je l'aime bien en plus ces canards. Merde putain, je sais pas quel est qui. Ok, il y a pas d'erreur sur le l'overlay. Très bien. Salut Eddy. Pourquoi t'es pas sur place là? T'as fait la bringue. À quelle heure toi tu fais la bringue? Ah mais oui, il y avait la fête de la musique. Salut Austin, Inf. Pourquoi le vieux de la vieille. Infernum, non? J'avoue, Lunari, il a raison, hein, no Jones. Hein. Le compte bancaire. Il sait que ça, mec. C'est bon, là. Moi j'ai complètement oublié que c'était la fête de la musique. Hein. On a tellement fêté la fête de la musique. Ah ouais? Enfin, ça se dit à l'oral, mais à l'écrit, en dehors de français, c'est pas bien vu, quoi. Oh bah tiens, salut Sekanor, ça va bien? Bah tiens, Sekanor, pourquoi t'es pas sur place, là? J'avoue, le ratio lyonnais dans le chat, présent à l'arca. J'aurais pu faire un dossier. Ah ouais, d'accord. La Dodge Rewiki. Comment ça? Mais what the fuck? On est passé de Fox Ditto à Samu Ditto. Ditto Game, c'est incroyable. J'avoue. Ah mais toi, Animele est swag. Le seul truc qui est pas swag dans Animele, c'est quand Kirby aspire les autres personnages et qu'il copie leurs capacités spéciales. C'est le seul truc qui n'est pas codé dans Animele. Ça met un shader dégueulasse sur Kirby. Pas ouf. Clash sec dans la venue là. Ah, mais avec tout ça, y a personne qui joue Roy dans la venue là, ça me déprime un peu là. Ouah, ça me déprime encore plus. Bah, c'est bon, Ouais, c'est du cel shading, Inari. J'avoue, hein, franchement, ça peut être une idée de bookie, ça.
Oh, nice backer. Racket full Bowser, allez, c'est parti. Après, ce genre de truc, c'est pas ouf pour les nouveaux joueurs, tu vois. En règle générale, ils main un seul perso et ils focus dessus, tu vois. Après, bon, l'idée des Wookiees, c'est pas d'être trop compétitif non plus, tu vois, mais... C'est pas ouf quand tu... C'est pas ouf de participer à une Wookiee quand tu joues un personnage qui est pas ouf, ou quoi. Ah! J'ai pas de match pendant un bout de temps, donc je vais casser. Bah vas-y, moi je vais peut-être aller aux toilettes, du coup. Voilà. Je vais aller au fond. Eh ben, bonsoir tout le monde, du coup, entre deux games, je suis... Oh, il y a la caster cam direct. Oui. Ah, c'est cool. Je vais même te mettre sur l'overlay. Et un P majuscule ou... Non, P minuscule. Voilà. Comme si c'était un seul mot. Et ben voilà, merci. Voilà, on m'appelle comme ça aussi de temps en temps. Il y a un. Il y a un, et bah ok, j'arrive à la. Ils ont fait double Climactic Game 3. Ils ont fait double Ditto au début, ils ont joué Ditto Fox, et après ils ont joué Ditto Samus, et là maintenant c'est un jeu l'envers. J'ai l'impression que beaucoup de gens aiment faire des petites dingueries ce soir. Je sais pas si c'est parce que c'est une particulière, genre c'est la dernière de 4. Ah, c'est juste vous le dis. Ok, bah là c'est vraiment nos. No joke, les gens jouent leur main, voilà, au très joli kill déjà de la part de Zephyr. Du coup, qui est l'invité spécial de ce soir, apparemment, avec SNS, mais SNS, on voit un peu relativement souvent. Star shot là, on deck. Et voilà, on se passe pas trop, c'est vraiment un Pega d'approcher. Oh là 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 là, on se le prend sur la roulade. Oh, attention. Non. Je lui demandais s'il veut caster à... Ah oui, il s'en sort bien au micro, donc c'est très volontiers. Attention, allez, gros down smash. Maintenant, voilà, il y a Zephyr un petit peu à la ledge. Les gars qui met une bonne pression. Ok, pas mal ce up-tit, mais ça n'a pas tué. L'armure, ça pèse. Ouh. Voilà, bon, ça va arriver, de la part de Pac, après tout. Du coup, on est reparti. Voici par contre Pega qui a quand même un retard. J'avais pas vu qu'il avait perdu deux stocks, hein, mais. Oh, quel grab! Attention. Oh, joli ça. On revient, mais ah, on est réinjecté de l'autre côté. Ah, le Firefox qui fait le boulot là pour repousser les pires. Trop joli, joli. Upper encore une fois, ça ne tue pas encore, mais le prochain peut-être à cette hauteur. Ok. Oh, ça c'est mauvais. Ouais, ça c'est très mauvais par contre, du coup, pour. Pega sur sa dernière stock, du coup sa dernière stock de winner, potentiellement. On arrive à le pousser avec un shine, très bien les edgeguards pour l'instant. Voilà encore. Hey, le tether, oh le sauce qui va whiff et ça pourrait, oh non, bah, cette fois-ci, la tendance qui va du côté de Zephyr et vraiment Pega ne fait pas. Ok. On va voir s'il arrive à remonter tout ça. Oh, je veux dire, va être assez difficile. On arrive cependant à gripper la ledge. Attention. Oh non. Ok. Ah. Oh, il a shield in extremis. Mais le revoilà encore une fois offstage. Il évite de peu l'illusion qui passe. Oh, le revoilà offstage. On sent c'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer. Le nerf qui revient dans la position. Mais attention. Zephyr qui est. Ok, qui a failli se coincer sous Battlefield. Mais ok, voilà. Encore un nerf. Qui va être fin au set. Voilà. Et on voit ici, voilà, toutes les stats. Voilà, magnifique, magnifique.